Chaque année, des auteurs à succès provoquent d'interminables queues. Chaque année, près de 160 000 visiteurs se pressent à la rencontre de 3 000 écrivains et à la découverte des dernières publications. Des livres, encore des livres, de toutes les origines, 45 pays représentés, les mastodontes de l'édition jouent des coudes, les petites maisons osent la mise en scène pour exister, et parmi elles, l'association des éditeurs corse de retour après 3 ans d'absence. 9 maisons insulaires ont fait le déplacement, toutes réunies sur ce petit stand de 35 mètres carrés. Ils se souviennent des années fastes, lorsqu'il était 3 fois plus grand et que le vin de patrimoine coulait à flot. Mais qu'importe la taille, pour tous, l'important était d'être présent. C'était important qu'on puisse recréer ce lien avec un public avec qui on a besoin d'avoir un regard, un échange physique, et puis de partir un petit peu à la recherche d'un nouveau public aussi. Un stand comme le nôtre, c'est l'occasion de montrer les nouveautés, de montrer les livres du fond qu'on peut difficilement trouver. Durant 3 jours s'ouvre une librairie corse éphémère à Paris. On y trouve des guides touristiques, des ouvrages d'histoire, d'art, de cuisine, des BD, des dictionnaires, des romans, des essais, de la littérature enfantine, en français et en corse. Certains visiteurs dépensent sans compter. Quand j'arrive ici, je me ruine. Mais je me ruine avec un plaisir que vous ne pouvez pas imaginer. Je disais à mon ami qu'il y a des livres là. Je dis, alors, un petit peu comme les enfants. Ah, celui-là, je l'ai. Ah, c'est... J'ai vu le drapeau et du coup, je me suis arrêté. Puis je trouvais ça marrant, les livres sur Napoléon. Et... La grande majorité des visiteurs appartient à la diaspora. L'autre est constituée de touristes en quête du guide idéal. Et parfois, ce sont les livres eux-mêmes qui attirent les lecteurs. J'adore les polars, alors je vais découvrir. Et vous êtes corse vous-même ? Non, pas du tout. Non. J'ai eu la chance d'avoir une belle dédicace. Marie-Hélène Ferrari est auteure de polars et directrice de collection chez Clémentine, la plus importante maison d'édition insulaire en chiffre d'affaires. Pour elle, ce n'est pas un retour, car elle était bien présente les 3 dernières années Porte de Versailles. Elle ne raterait l'événement pour rien au monde. On a beaucoup de rendez-vous professionnels sur ces 3 jours. Moi, avec les auteurs qui m'envoient des manuscrits, Monsieur Balestrière et sa fille avec les imprimeurs et avec toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne de fabrication du livre. Donc pour nous, les Corses, c'est quand même plus facile de concentrer tout en une fois que de faire des allers-retours. C'est clair que ça fait partie des enjeux et qu'on adore ça. C'est aussi l'occasion de rencontrer les représentants d'autres salons, comme ici celui de Bruxelles. Ça fait partie de notre stratégie de tourner un petit peu, de participer chaque année à un salon international. Dans l'immédiat, les éditeurs corses se rendront en Italie, à Imperia, au mois de mai. Nous avons la chance d'être bilingues, nous avons la chance d'avoir 2 cultures qui ne s'opposent plus, elles ne sont plus en confrontation. Et je pense que ne pas profiter de ça, ça serait complètement idiot, par pure idéologie. Participer au Salon du Livre de Paris a un coût, 17 000 euros pour un petit stand, plus le mobilier, les billets d'avion, les nuits d'hôtel. Mais à nouveau soutenu par la collectivité de Corse, les éditeurs insulaires entendent bien honorer chaque année ce rendez-vous qu'ils estiment incontournable.